24 ans plus tard pour les Briochins, 11 ans plus tard pour les Sétois. Les deux équipes sont de retour en National. Saint-Brieuc 7, c'est le coup d'envoi de cette saison 2020-2021 dans ce championnat de National 1. Le recrutement a été ciblé là-dessus pour apporter cette expérience parce qu'on était sur une équipe. Attention à Caddy qui va tenter sa chance frappe, et ouais. Maxime Patier qui détourne. Et le corner qui a été joué à deux, est-ce que ça va passer cette fois? Centre de Leméoté, il y a du monde pour la reprise. C'est pas terminé, Romil la barre pour Romil, but. But de Benjamin Angouin. 24 ans plus tard, Benjamin Angouin succède à Jean-Philippe Nallet qui avait marqué eh bien, le dernier but des Briochins en National, c'était en 1996. Cette montée notamment d'équipe première. Et c'est parti Ferraoui pour ce coup franc, déviation de la tête, c'est pas totalement dégagé sur la barre et derrière c'est détourné en corner. Passe Patrao qui va se battre. Récupération très très haute, le Maraire dans le dos. Et le Maraire pour Devon Romil qui va dévancer. Oui, superbe. Vincent Papalardo et permettre à Saint-Brieuc de doubler. Un bon ballon mis dans le dos de la défense. Il me semble que c'est pied gauche. Alexis Manet maintenant dans le cœur du jeu et Caddy. Déviation ratée de Caddy. Ouais. Il avait tenté de chercher Patrao et la mi-temps qui est sifflée sur ce score est prolifique déjà pour le Stade Briochin, 2-0. Anne Caddy qui a la solution, Rinel côté droit, il l'a vu, Rinel qui est trouvé dans la surface de réparation, contrôle en deux temps, un centre, longue. Et ça revient avec Caddy sur son pied droit, frappe de Caddy, sauvé sur la ligne. De Simon, vraiment, il aurait été pris un peu sur le décalage, il n'aura pas pu intervenir, mais là c'est une parade qu'il fait sur la ligne carrément. Cerber plutôt peut orienter le ballon vers Caddy. Il a pris l'ascendant. Il a laissé sur place Simon. Attention, s'il tombe, pénalty je pense. Pénalty pour cette faute de Fombertas. Caddy, pied droit et c'est transformé en force, 2-1. Donc 7 revient dans la partie avec ce but, cette réduction de l'écart. Segura pour trouver Clarisse Herbert, Segura qui est trouvé côté droit, il va pouvoir centrer Segura, c'était vers Caddy, la tête de Caddy. Et cette fois c'est terminé, la première victoire du Stade Briochin dans cette saison pour son retour en National.